Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni sois-tu. Donne le son pour le studio. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Bise de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps les gens de ta famille, et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message est pour terre. Ton rêve se réalisera selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation. Si je refuse ma situation. Comment tu retiens? Dès que ça finit, tu mets pas de sport. Place. Sors. Sida. Sortez. Célibat. Sors, blocage, sortez, sortez, sortez. C'est actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquences Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan Côte d'Ivoire, dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Bise au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu n'as pas mouru comme ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion de la tribu de Juda. J'aimerais aussi que nous bénissions le Seigneur pour le directeur de la radio Zénith FM de Makori 92.8, Monsieur Ncho, sans oublier mon coach physique qui me porte depuis 4 ans déjà, Soumaïla Kwaku. Acclamons le Seigneur pour la vie. Que Dieu bénisse tout le personnel de la radio, sans oublier mon guerrier, mon commando, mon pasteur, mon fils Lamine, mon digne fils de gloire, et vous les chers auditeurs de l'espace Amour, Vérité, Puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
pouvoir vivre. Gloire à Jésus. Et je suis venu vous annoncer un programme spécial. Un programme spécial pour les célibataires. Un programme spécial pour les stériles. Un programme spécial pour les chômeurs. Un programme spécial pour les malades. Je suis venu vous dire que ce dimanche, j'ai dit bien ce dimanche, de 15h à 18h, à Engrais Geste aussi, sur le prolongement de la pharmacie Analia, il y a un grand programme de prière pour tous ceux qui sont célibataires, pour tous ceux qui sont stériles, pour tous ceux qui sont chômeurs et pour tous ceux qui sont malades. Donc ce dimanche, programme spécial, le thème c'est Jésus, le Dieu de l'aussitôt, aussitôt dit, aussitôt fait. Je vais prier. Le Seigneur m'a dit, demain, ce dimanche, à Cocody Engrais, pharmacie Analia, Engrais Geste aussi, pharmacie Analia, les hôtels seront là-bas à 15h pour vous conduire au temple de Jésus, le Lion 3 de Cocody. Le Seigneur m'a dit, prie demain pour tous les célibataires qui veulent se marier, prie demain pour tous les stériles qui veulent enfanter, procréer. Prie demain pour tous les chômeurs qui veulent travailler et voir leur salaire augmenter. Et prie demain pour tous ceux qui sont malades en esprit et en vérité. Donc si tu es là, tu m'entends. Si tu viens d'arriver, sache que demain, de 15h à 18h, il y a un culte spécial en faveur des célibataires, en faveur des stériles, en faveur des chômeurs et en faveur des malades, etc. À Cocody, excusez-moi, à Cocody, Engrais Geste aussi, vous descendez à la pharmacie Analia. Pharmacie Analia, les hôtels seront là à partir de 15h. Si tu te sens concerné, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je répète, ce dimanche de 15h à 18h, tout le monde à Cocody, Engrais Geste aussi. Engrais Geste aussi, vous descendez à la pharmacie Analia. À partir de 15h, les hôtesses vont vous y conduire. Je vais prier par la puissance de l'Esprit et au nom tout puissant de Jésus, de façon spéciale pour les célibataires, pour les stériles, pour les chômeurs et pour tous les malades. Je vais prier pour vous au nom tout puissant de Jésus. C'est pourquoi si tu m'entends, ne te décourage jamais. Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus dit, il faut toujours prier et jamais se décourager. Luc 18, le verset 1. Jésus dit, il faut toujours prier et jamais se décourager. Luc 18, le verset 1. Jésus-Christ de Nazareth dit, il faut toujours prier et jamais se décourager. Je suis là pour ceux qui prient et qui ne se découragent jamais. Ceux qui ne sont pas encore découragés, je suis là pour vous. C'est pourquoi je vous demande d'écrire tous vos sujets de prière et de les envoyer maintenant même au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 et au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je me ferai foi bien de prier pour vous. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta souffrance. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Mais je sais une seule chose. Jésus est le Dieu qui répond aux prières de la foi, aux prières de ses enfants, aux prières de son peuple, aux prières de ses créatures. Car la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui existe a été créé par la parole. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Mais ce qui va nous marquer, c'est le verset 14. Et la parole qui est Dieu est devenue un homme. Je vous pose la question, la parole qui est Dieu qui est devenu un homme, s'appelait comment? Quand c'est devenu un homme, ça s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Demain, dimanche, à Cocody, Engrais Geste aussi,
si tu es stérile, si tu es chômeur, si tu es malade, si tu es célibataire, si tu souffres, si tu tournes en rond, si tout est bloqué, si ton voyage est bloqué, ton mariage est bloqué, ta santé est bloquée, ton déménagement est bloqué, ton succès est bloqué, ta réussite est bloquée, ta stérilité ou bien ta fécondité est bloquée, quel que soit ce qui ne va pas, je te donne rendez-vous ce dimanche de 15h à 18h. Dis, je descends à la pharmacie Analia. Je dis bien la pharmacie Analia de Cocody Engrais Geste aussi. Les hôtels seront là à partir de 15h pour vous conduire à la prière. Et Jésus m'a dit, j'agirai comme le Dieu de l'aussitôt. La Bible dit, il fait des miracles. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un bus va tourner depuis longtemps. Un bus va se balader. Un bus va circuler, mais il y a quand même un arrêt. Un bus va tourner, mais il y a un terminus. Tu ne peux pas souffrir pour toujours. Tu ne peux pas être célibataire pour toujours. Tu ne peux pas être stérile pour toujours. Tu ne peux pas être bloqué pour toujours. Tu ne peux pas être malade pour toujours. Tu ne peux pas être chômeur pour toujours. Tu ne peux pas être galère pour toujours. Tu ne peux pas dormir chez les gens pour toujours. Il y a arrêt de bus quand même. Le bus va rouler, mais ça s'arrête quelque part. Le bus va rouler, mais ça gare quelque part. Je suis venu te dire que Jésus dit, demain, le Dieu de l'aussitôt va arrêter ta souffrance. Il va arrêter ta galère. Je pensais que tu allais dire amen fort. Il va arrêter ton célibat. Il va arrêter ta maladie. Il va arrêter ta stérilité. Il va arrêter ton chômage. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, je vous donne rendez-vous demain dimanche de 15h à 18h. Cocody Engrais Geste aussi. Vous descendez à la pharmacie Analia et vous appelez à mes deux numéros. Sinon, les hôtels seront déjà là pour vous conduire à la prière. Moi, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Dieu m'a dit demain, un culte spécial. Et tous ceux qui vont venir ne vont pas regretter. Je vais arrêter la souffrance en un coup. Je vais arrêter le problème en un coup. Je vais arrêter la mort en un coup. Je vais arrêter le supplice en un coup. Je vais arrêter la galère en un coup. Je vais arrêter la maladie, le chômage, le célibat et la stérilité en un coup. Un homme de Dieu a dit à une femme stérile, l'an prochain à la même époque, tu auras un enfant dans tes bras. En un coup, elle est tombée enceinte. L'an prochain, à la même époque, la Bible dit comme l'homme de Dieu l'avait dit. C'est pourquoi si tu m'entends, écris tes sujets de prière et envoie-les maintenant au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78 32. Je me ferai foi bien de prier pour vous. Dans ce monde, on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais chez Dieu, le miracle appartient à ceux qui croient. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Marc 9, 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tu es là, la sorcellerie te fatigue, tu ne dors pas bien, tu fais la fièvre. Quand tu dors, tu es poursuivi en rêve. Tu as peur de dormir dans le noir, tu ne fais que cauchemar sur cauchemar. Tu vois des revenants, tu vois des morts, tu vois des esprits effrayants. Quand tu fermes les yeux, c'est tout ce qui est mauvais que tu vois. Quand tu fermes les yeux, tu manges avec des gens inconnus. Quand tu fermes des yeux, tu t'envoles. Quand tu fermes les yeux, tu te retrouves avec des gens en train de manger des nourritures bizarres. Quand tu fermes les yeux, aussitôt tu te retrouves en rêve au village. Tu te retrouves au cimetière. Tu te retrouves dans l'eau, au bord de l'eau, au bord des ruisseaux, au bord de piscine, au bord de la mer, au bord de l'océan. Tu te retrouves même sous l'eau. Quand tu dors, tu t'envoles. Quand tu dors, tu couches avec les esprits. Ils prennent la figure de ton ancien gars, ton ancienne copine,
ton ancien mari qui est peut-être décédé, ta femme qui est décédée, ils viennent coucher avec des gens, ils prennent la figure de n'importe qui et ils ont des rapports sexuels avec toi. Quand tu dors, la sirène des eaux te fatigue. Quand tu dors, tu ne comprends pas. Tu veux crier, ta voix ne sort pas. Tu veux bouger, tu es paralysé. C'est un esprit de sorcellerie et de mort qui te fatigue. C'est pourquoi si tu m'entends, écris tous tes sujets de prière. Envoie-les maintenant même au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Écoutez, quand vous êtes là, vous êtes célibataire, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme, il n'y a pas cococo, il n'y a pas dot, il n'y a pas de mariage à la mairie, il n'y a pas de bénédiction nuptiale à l'église. Ça ne te réussit pas. Marcher avec quelqu'un, cheminer avec quelqu'un, ça n'aboutit jamais au mariage. Tu es avec quelqu'un, on couche à toi, on te laisse. Tu es avec quelqu'un, on t'enceinte et on te laisse. Il y a un esprit de mari de nuit, il y a un esprit de femme de nuit, il y a un esprit des eaux qui te fatigue. C'est pourquoi tu ne peux pas durer avec une femme, même avec celle que tu l'aimes, avec celle que tu aimes, même avec tout l'argent que tu lui donnes. Les femmes finissent par partir, elles finissent par partir. Même avec tout ton corps que tu donnes à cet homme, il finit par te tromper et t'abandonner. Il y a une malédiction. C'est pourquoi viens demain. Je parle de ce dimanche. Viens ce dimanche à Cocody Engrais Gestossi. Je dis bien ce dimanche à Cocody Engrais Gestossi. Tu dis je descends à la pharmacie Analia à 15h. La prière commence là-bas tous les dimanches de 15h à 18h. Comme tu ne connais pas le lieu, faut dire Engrais Gestossi. Cocody Engrais Gestossi. Je descends devant la pharmacie Analia. Les hôtels seront là à partir de 15h pour vous conduire à la prière. Si tu te retrouves là-dedans, envoie tes sujets de prière. Écris tous tes problèmes et envoie-les maintenant au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour tous ceux qui vont envoyer les sujets de prière. Et après ma prédication, le téléphone sera ouvert et vous pourrez appeler. Tous ceux qui vont venir au rendez-vous de ce dimanche, appelez. Si vous ne voyez personne, appelez à ces deux numéros que je donne. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78 32. Ce sont mes numéros personnels. Demain, un programme. Le bus dans lequel tu es va s'arrêter. Le bus de souffrance, le bus de pauvreté, le bus de la galère, le bus du célibat, le bus de la stérilité, le bus de la maladie, le bus de ton chômage, le bus de ton blocage, ça va s'arrêter. Même train, même il la gare. Même train, même arrive à freiner souvent. Mais comment est-ce que toi, tu ne peux pas t'arrêter? Tu souffres pour toujours, tu pleures pour toujours, tu es galère pour toujours, tu meurs pour toujours. Ça ne vient pas de Dieu. Demain, programme spécial ce dimanche de 15h à 18h. Cocody Engrais Gestossi. Tu descends à la pharmacie Analia. À partir de 15h, les hôtesses vont vous conduire au lieu de prière. Écoutez, problème de foyer,
ça ne va pas dans ton foyer. Monsieur veut te laisser. Madame veut partir. Le foyer est au bord du gouffre. Il y a un mur de division. Il y a un mur de séparation. Les sorciers ont enlevé le peu d'amour qui était dans votre cœur. Et vous êtes au bord du divorce. Séparation de corps. Au début, vous vous aimez. Vous vous aimez à la folie. Mais vous ne comprenez pas pourquoi l'amour a disparu. C'est la sorcellerie. La sorcellerie en vous. C'est pourquoi demain à Cocody, venez, on va prier pour vous. Et Jésus sera démontré. Jésus sera glorifié. Si tu aimes ta femme et puis tu ne veux pas la perdre, viens, on va prier pour elle et pour toi. Si tu aimes ton mari et puis tu ne veux pas le perdre, viens, on va prier pour lui et pour toi. Même si tu as sa photo, on va prier dans le nom tout puissant de Jésus. Pas pour le passer, mais pour demander à Dieu sa volonté. Et si la volonté de Dieu est parfaite, tu vas retrouver ton mari et ta femme. Si la volonté de Dieu est permissive, tu vas rentrer dans ton miracle. Problème de loyer. Toi, tu n'arrives pas à payer le courant. Tu n'arrives pas à payer l'eau. Tu n'arrives pas à payer la maison. À plus forte raison, même la scolarité des enfants. C'est dur pour manger. C'est dur pour garder l'argent. C'est dur pour économiser. Il y a comme un esprit qui est là pour voler tes économies. Quand tu touches l'argent, ça s'en va. Quand on te paye, tu ne sais pas où l'argent est parti. Tu ne fais jamais bonne chose avec ton argent. Depuis que tu travailles, tu n'as pas d'économie. En banque, zéro. À la maison, zéro. Sur toi-même, zéro. Tout de suite, si tu meurs, il n'y a pas de réalisation. On n'a même pas même un lieu même où on t'enterre au village. Parce que même au village, tu n'as pas réalisé quelque chose. Tu es zéro, zéro. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu fais rien, tu sais rien, tu ne peux rien, tu comprends rien. C'est une malédiction de ta famille qui te suit. On appelle l'esprit de sorcellerie. Il est sur toi, il t'a bloqué. C'est pourquoi si tu m'entends, envoie tes sujets de prière au plus 225-08-01-65-07 ou au 05-64-78-32-05-64-78-32. Je vais prier pour vous. N'oubliez pas, demain dimanche, ce dimanche de 15h à 18h, vous allez rencontrer le Dieu de l'aussitôt. Le bus va tourner avec toi. Tu demandes arrêt, le chauffeur ne veut pas. Tu demandes arrêt, le receveur ne fait pas de signal au chauffeur. Le bus est en train de tourner avec toi. Mais demain, à la prière, Jésus va arrêter le bus de ta souffrance, le bus de tes pleurs, le bus de tes lamentations. Jésus va arrêter. C'est pourquoi demain, viens découvrir le Dieu de l'aussitôt. La Bible dit, aussitôt dit, aussitôt fait. Jésus va arrêter ce bus-là et tu vas descendre. Tu vas descendre de la galère, descendre du célibat. Cocody Engrais, tout le monde, ce dimanche à Cocody Engrais Geste aussi. Je dis bien Engrais Geste aussi. Cocody Engrais Geste aussi. Descendez devant la pharmacie Analia. Parce que si je t'indique l'église, tu ne pourras pas trouver. Avant d'arriver au feu de la pharmacie Analia, il y a un immeuble en bordure de route. Et ils ont écrit dessus Quincaillerie Doumbia. L'église se retrouve derrière. Mais comme les gens n'arrivent pas à trouver l'immeuble de la Quincaillerie Doumbia, c'est pourquoi descendez à la pharmacie Analia. Et les hôtesses seront là-bas à 15h pour vous conduire à la prière. Moi, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Ça fait 26 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. 1995 à aujourd'hui, je sers le Seigneur. Je ne sais pas combien de mariages j'ai célébré. Je ne sais pas combien de personnes ont voyagé après ma prière. Je ne sais pas combien d'enfants j'ai présenté à Jésus les dimanches à l'église. Je ne sais pas combien de femmes stériles ont accouché. On ne peut plus compter. Je ne sais pas combien de personnes ont reçu la guérison, la délivrance, le déblocage, la bénédiction, la conversion et le miracle par la puissance de l'Esprit. Et au nom tout puissant de Jésus, les témoignages sont trop. Demain, Cocody Engrais Geste aussi.
Tu descends à la pharmacie Analia. Nous prions là-bas tous les dimanches de 15h à 18h. Ce dimanche est un culte spécial. Ne reste pas à la maison. Depuis tu es à la maison, tu as eu quoi? Depuis tu regardes télévision, tu as eu quoi? Depuis tu écoutes la musique mondaine, tu as eu quoi? Depuis tu joues à Wallet, Dame, Scrabble, tu as eu quoi? Depuis tu dis tous les pasteurs sont des menteurs, tous les pasteurs sont des voleurs. Qu'est-ce qui prouve que lui-même qui parle là, c'est pas un menteur? Tu as eu quoi? Tu n'as rien eu. Tu es 0-0. Alors Jésus te dit, lève-toi ce dimanche. Et descend à Cocody, André Jastossi, à la pharmacie Analia. Les hôtesses vont te conduire à la prière. La prière, c'est tous les dimanches à Cocody, André Jastossi, de 15h à 18h. Pour celui qui a de l'intelligence, avant d'arriver au feu de la pharmacie Analia, il y a un immeuble en bordure de route. Ils ont écrit Quincaillerie Doumbia. L'église se trouve juste derrière. La quincaillerie Doumbia. Écoutez, vous êtes là, vous souffrez, vous pleurez, vous vous lamentez, vous ne comprenez pas votre vie. Il n'y a pas tête et il n'y a pas que. Tout est bloqué, tout est paralysé. Toi-même, tu veux te tuer. L'argent ne vient pas. Ça ne reste pas dans ta main. Écris tes sujets de prière. Envoie-les maintenant même au plus 225-08-01-65-07-08-01-65-07 ou au 05-64-78-32-05-64-78-32. Je vais prier pour toi. Le diable est en train de te dire, oh, tu as écrit dans le sujet de prière, tu as amené à tous les pasteurs, tu as eu quoi? Tu as appelé, on a prié pour toi, tu as eu quoi? Tu es parti à des prières, tu as eu quoi? Laisse-moi te dire, si Satan savait qu'en tuant Jésus, c'était sa défaite, il n'allait pas le faire. Si toi aussi tu savais que demain à Cocody, c'était ton terminus, c'était ton arrêt de souffrance, tu n'allais pas rester à la maison. Ce dimanche de 15h à 18h, tout le monde à Cocody, Angré, geste aussi. Vous descendez à la pharmacie Analia à 15h. Les hôtesses seront là-bas à partir de 15h pour vous conduire à la prière. Dieu m'a dit, prie spécialement pour les célibataires, prie spécialement pour les stériles, prie spécialement pour les malades et prie spécialement pour les chômeurs, les célibataires, ceux qui veulent se marier. Mais c'est dur, ils ont femme, ils ont enfants. Ils ont mari, mais ils n'arrivent pas à concrétiser à la mairie. L'argent ne vient pas. Toujours quand l'argent arrive, il y a toujours problème. Ils n'arrivent pas à doter les femmes. Ils n'arrivent pas à les fiancer, à les marier. Je vais prier pour vous. Il y a des gens qui veulent faire enfant. Ils font des rêves ou ils sont bébés dans leurs rêves. Mais jusque dans la réalité, il n'y a pas. Dieu t'a montré qu'il y a un blocage. Viens, on va toucher ton ventre au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu de l'aussitôt va arrêter. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers partout. Il n'y a même pas un lieu qui a répondu. Même le dossier même a disparu, même dans la main des directeurs. Il y a des gens, même chez leur oncle, qui ont déposé des dossiers. Leur propre oncle ne les appelle pas. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers d'un lieu où on prend tout le monde, mais on ne les prend pas. Venez demain, on va prier pour vous. Tu veux voyager, tu veux jouer au football, ta carrière est menacée. Demain, Cocody, Angré, Jastossi. Vous descendez à la pharmacie Analia à partir de 15h. Les hôtesses vont vous y conduire à la prière. Maintenant, si tu as beaucoup d'intelligence et de sagesse, quand tu descends à Angré Jastossi, Cocody Angré Jastossi, avant d'arriver à la pharmacie Analia, en bordure de route, il y a plusieurs immeubles. Il y a un immeuble, ils ont écrit Quincaillerie Doumbia. L'église se retrouve derrière. Nous sommes là-bas tous les dimanches soirs de 15h à 18h. Problème de 1. Pauvreté. Tu es pauvre. Tu es galère. Tu es misérable. Toi-même, tu sais que tu fais pitié. Pour toucher l'argent même là, tu cries, il a fait quoi à Dieu? Je te donne rendez-vous demain. Échec, blocage, tout ce que tu fais n'avance pas. Ça ne marche pas, c'est bloqué, c'est paralysé. Rendez-vous demain à Cocody, Angré. Ce dimanche, Angré geste aussi. Blocage, il y a comme un mur devant toi. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas progresser. Un examen concours, tu échoues, tu échoues. Tu passes les examens concours, mais il n'y a pas de résultat positif.
Tu as besoin d'être là demain à Cocody Angré. Chômage. Oui, tu es au chômage. Avec tous les diplômes, il n'y a pas d'embauche. Il n'y a pas de travail. Toi aussi, tu es là depuis que tu travailles. Il n'y a pas de promotion. Ton salaire n'augmente pas. 28 ans, 15 ans, 5 ans de travail. Il n'y a pas de promotion. Tes collègues sont promus. Et toi, on te dit d'attendre. C'est un esprit qui est en train de faire ça. Écoutez, le bus va tourner, mais quand même, il y a arrêt. Et puis après arrêt, il y a un coin où il gare. Tu ne peux pas souffrir pour toujours. Demain, Jésus te donne rendez-vous à la prière de Cocody Angré Geste aussi. À partir de 15h, descendez à la pharmacie Analia. Les hôtels vont vous conduire. Je vais prier pour vous par la puissance du Saint-Esprit et le Dieu de l'aussitôt, le Dieu qui s'appelle aussitôt, le Dieu de miracles, Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth va arrêter votre bus de souffrance ou il va mettre sa main et puis il va vous faire sortir et il va vous conduire dans votre bénédiction. Tu es là, une maladie te fatigue, kyste, fibrome, AVC, myome, cancer, je ne sais pas la maladie qui te fatigue, sida, je ne sais pas quelle maladie incurable que Jésus ne peut pas guérir, l'homme qui ressuscite Lazare qui est mort depuis 4 jours, je ne sais pas ce qui peut arrêter Jésus. Tu fais les enfants, ils meurent seulement. Un enfant peut mourir, on peut comprendre. Mais tous tes enfants meurent. Dans votre famille, vous êtes 10 ou 9. Les gens sont en train de mourir. Vous vous retrouvez à 4 ou à 5 ou à 3. J'ai entendu des gens qui disent, maman a fait 12 enfants. Il reste 3. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Les morts précoces, les morts préméditées, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui est mort dans tes rêves, le plus fréquent, ça arrive de façon fréquente, tu vois seulement des morts. La mort en train de te biper, c'est-à-dire la sorcellerie en train de te guetter. C'est pourquoi si tu m'entends ce dimanche, tout le monde, tous ceux qui se retrouvent dans ce message, je vous attends à Cocody Angré. Je dis bien ce dimanche, Cocody Angré Geste aussi. Vous dites, je descends devant la pharmacie Analia. Les hôtels seront là-bas à 15h. Nous prions là-bas tous les dimanches soirs de 15h à 18h. Cocody Angré Geste aussi. Vous descendez devant la pharmacie Analia. Comme je le dis pour les plus sages, avant d'arriver au feu de la pharmacie Analia, vous regardez en bordure de route, il y a plein d'immeubles. Il y a un immeuble où ils ont mis Quincaillerie Doumbia. L'église se trouve dans le quartier juste derrière, vous partez derrière l'immeuble, vous tournez à votre droite, vous allez voir l'église. C'est là-bas que vous allez rencontrer l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Si vous vous perdez, appelez à ces deux numéros que je donne, plus 225-08-01-65-07-08-01-65-07 ou 05-64-78-32-05-64-78-32. Je vais prier pour vous. On part en musique et on revient pour un message de 15 minutes et le téléphone sera ouvert. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Pendant que je serai en train de prêcher, continuez à envoyer vos SMS, vos sujets de prière au plus 225-08-01-65-07. Continuez d'envoyer vos messages. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail, il n'y a pas enfant, il n'y a pas voyage. Tout est bloqué, il n'y a pas santé, il n'y a pas déménagement. Envoyez vos sujets de prière au plus 225-08-01-65-07, 08-01-65-07 ou au 05-64-78-32. Je vais prier pour vous. On écoute la parole de Dieu. Luc chapitre 8, 43 à 47. Luc chapitre 8, 43 à 47. Je lis. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez le médecin, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt,
Oh, aïe, 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 tous ceux qui vont venir vont connaître le Dieu de l'aussitôt. Ton bus va s'arrêter. Ton bus de souffrance dans lequel tu es, où tu dis, il descend, puis depuis, on ne veut pas te faire descendre. Jésus va, il va s'arrêter sur la rue, va bloquer le bus là. Demain, tu vas descendre de ta stérilité. Tu vas descendre du bus, de la galère, du chômage, de célibat. Tu vas descendre. Ça, moi, je te dis ça. Demain, il faut venir seulement. Jésus dit de dire. Il est le Dieu de l'aussitôt. C'est lui qui dit de dire demain, là, il y a prière spéciale pour vous, culte spécial. N'appelez pas, envoyez vos messages. Elle s'approcha de Jésus et toucha ses vêtements par derrière. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda, qui m'a touché? Tous nient l'avoir fait. Et Pierre dit, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Mais Jésus lui dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Le verset 47. La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché. Et comment elle avait été guérie immédiatement. Ça dit, le Dieu de l'aussitôt, demain, il va te guérir immédiatement. Il va arrêter ton célibat immédiatement. Il va arrêter ta stérilité immédiatement. On dit, la femme dit, elle avait été guérie immédiatement. Ça dit, à l'instant même où elle a touché Jésus. Non, demain, ça sera fort. Par la puissance de l'Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. Demain, je ne parle pas aux plaisantins, je parle aux hommes de foi, aux femmes de foi, je parle à tous ceux qui sont fatigués. Écoutez, voilà l'histoire. Luc chapitre 8, le verset 43 à 47, 48. La Bible dit qu'il y a une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Frère, écoutez, les femmes qui m'écoutent sont mieux placées que moi, que nous les hommes, pour comprendre ce qu'on appelle perte de sang. Quand une femme fait ses règles, quand elle fait ses menstrues, son sang coule 3 jours, 4 jours. Il y a certaines femmes, leurs menstrues coulent pendant 7 jours. Mais elle, pour elle, quand le sang coule, ça ne s'arrête plus. Et ça n'a pas fait 1 an, ça n'a pas fait 2 ans. Son sang n'a pas coulé pendant 3 ans. La Bible dit son sang coule pendant 12 ans. Hein? Vous savez que quand quelqu'un est anémié, il manque de sang. Quand on dit tu es anémié, tu souffres d'anémie, tu manques de sang. Et ceux qui sont anémiés ont vertige. Parce que quand tu manques de sang, tu es au bord de la mort. Si on ne trouve pas poche de sang, ballon de sang, tu risques de mourir. Tu es obligé même de manger certains aliments. Tu es obligé même de manger même certains aliments pour augmenter ton sang. Ceux qui sont anémiés sont frêles. Ils sont faibles. Ils manquent de force. Ils deviennent faibles parce qu'ils sont en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Cette femme ne perdait pas son sang pendant 5 ans, 10 ans, 11 ans. La Bible dit pendant 12 ans, son sang coule. Et la Bible dit que quand ton sang coule avant, au temps de Moïse, tu es sale chez les Israélites. Tu n'as pas le droit de te mélanger dans la foule. Tu n'as pas le droit d'être dehors parce que tu es impur. Quand une femme a ses règles, même Dieu interdit à son mari, même son mari de coucher elle, parce que son sang sort. C'est après ses menstrues, ses règles, qu'un homme a le droit de coucher. Pas pendant les menstrues, mais après. C'est écrit dans la Bible. Mais cette femme-là, son sang coule pendant 12 ans. On n'a pas dit si elle est mariée, mais imaginons qu'elle était mariée. Son mari ne peut pas la toucher pendant 12 ans parce que Dieu interdit à l'homme d'avoir des rapports sexuels à une femme pendant ses règles. Il dit parce que l'homme va découvrir la source de son sang, d'où vient son sang, et l'homme ne doit pas découvrir ça. Et cette femme a souffert comme toi. Je ne sais pas, ça fait combien d'années, tu souffres, tu pleures. Quand tu m'écoutes, tu dis, hey, s'il y avait transport, il allait venir. Faut te sacrifier, même si tu dois marcher, faut marcher pour venir. Ce dimanche à Cocody Angré, le Dieu de miracles, le Dieu de l'aussitôt, le Dieu de guérison immédiate, il me dit de faire un programme spécial à Cocody ce dimanche-là de 15h à 18h. Cocody Angré geste aussi. Vous descendez à la pharmacie Analia. Des hôtels seront là à partir de 15h pour vous y conduire. Si vous ne voyez personne, appelez aux deux numéros que je donne à la radio. 0801-6507. 0801-6507 ou 0564-7832. 0564-7832. Et Dieu
vous conduira au lieu de prière. Écoutez, je ne sais pas combien d'années tu es chômeur. Je ne sais pas combien d'années tu travailles et puis tu n'as pas réalisé. Je ne sais pas combien d'années tu pleures. Je ne sais pas combien d'années tu es célibataire. Je ne sais pas combien d'années tu es stérile. Je ne sais pas combien d'années tu as échoué aux examens et concours. Je ne sais pas combien d'années tu dors chez les gens. Tu dors dehors. Je ne sais pas combien d'années tu es là. Et puis depuis là, tu n'arrives pas à durer avec une femme, un homme. Je ne sais pas, ça fait combien d'années tu traînes ta maladie. Cette femme souffrait depuis 12 ans. C'est-à-dire que l'année fait 12 ans. L'année fait 12 mois. Une année fait 12 mois. Elle, c'est pas un an. C'est 12 ans. Aïe, tu es là, tu m'écoutes. Riz blanc est piment. Il n'y a pas l'argent pour manger. L'eau est riz blanc. Riz blanc est piment. Ou bien riz blanc est sel. Petit piment au milieu. Tu manges mort subite, un coup KO. Tu es là. Tu as besoin d'argent pour réaliser des choses, mais tu n'as pas. On te promet, on te tourne en rond. On ne te donne pas. Mari de nuit couche à toi. Femme de nuit couche à toi. Tu es fort dans le football. Tu veux voyager, mais ton pied est dans Canaries. Tu es là, tu tournes en rond. Tu vois les morts en rêve. Tu es là, tu n'as pas de réalisation. Aucun terrain payé. Ta femme n'a rien, tes enfants n'ont rien, ton mari n'a rien, il n'y a pas de travail. Tu es obligé de demander, tu es vieux comme ça, mais tu es obligé de tendre la main pour manger. Tu es obligé de tendre la main pour vivre. Tu appelles même tes petits frères, grands frères, tu appelles même tes enfants, tontons, pour qu'on puisse te donner à manger. La maison familiale est bourrée, il n'y a pas de mariage. Personne ne peut se marier, personne ne peut voyager, personne ne peut réussir. Tout le monde est dans la maison comme boîte de sardines. Je veux t'annoncer quelque chose. Ce dimanche à Cocody Engrais, à partir de 15h, Engrais Geste aussi descend devant la pharmacie Analia. Si tu dois commencer à marcher à partir de 5h, commence à marcher. Mais viens trouver le Dieu de l'aussitôt, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui arrête la douleur de 60 ans, 75 ans. Abraham a eu son enfant à 100 ans. Même à 100 ans, il est capable de faire ton miracle. Je ne crois pas que toi qui m'écoutes, tu as été encore 100 ans. Sarah, la femme d'Abraham, elle a eu son premier bébé à 90 ans. Oh, une femme est ménopausée à 45 ans. 45 ans plus 45 ans, ça fait 90 ans. Elle était doublement ménopausée. Elle était ménopausée au carré. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas réaliser? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas te donner? Il est le Dieu de miracles. Le bus dans lequel tu es ne va jamais s'arrêter. Si tu penses que Satan, le chauffeur, va s'arrêter pour que tu descendes, jamais. Il est en train de tourner à toi seulement. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'an 2000 est arrivé, ça va aller. 2010 est arrivé, ça va aller. 2020 est arrivé, ça va aller. Et depuis là, ça ne va pas. Mais je t'annonce que demain, ce dimanche-là, Jésus-Christ dit, il va arrêter le bus de ta souffrance, le bus de ta galère, le bus de la mort, le bus du péché, le bus de la stérilité. Il dit de vous dire, il va arrêter le bus du célibat, il va l'arrêter. C'est pourquoi mon thème d'aujourd'hui, c'est Jésus, le Dieu de l'aussitôt. Le Dieu de l'aussitôt. Si vraiment tu crois que je suis un homme de Dieu et si tu crois que Jésus est vraiment vivant, trouve-moi ce dimanche à Cocody Engrais Geste aussi devant la pharmacie Analia. Les hôtels seront là-bas à 15h. On prie là-bas tous les dimanches de 15h à 18h. Mais c'est un culte spécial où après cela, je vais prier pour les célibataires. Je vais prier pour les stériles. Je vais prier pour les malades. Et je vais prier pour les chômeurs. Par la puissance de l'Esprit et au nom tout puissant de Jésus. Cette femme a allé chez Baye. Baye n'a rien fait pour elle. Cette femme a allé chez Zeredi. Zeredi n'a rien fait pour elle. Elle a allé chez les mystiques. Les mystiques n'ont rien fait pour elle. Elle a allé chez les marabouts. Les marabouts n'ont rien fait pour elle. Elle a allé chez les féticheurs. Les guérisseurs, ils n'ont rien fait pour elle. La Bible dit, c'est maintenant même que sa situation même allait de mal en pire. C'est maintenant même qu'elle souffrait. La Bible dit, elle a tout dépensé comme toi. Les pasteurs t'ont blagué, t'ont vendu huile, tu as payé zéro.
Les pasteurs t'ont vendu mouchoir, tu as payé zéro. Les pasteurs t'ont fait payer, je ne sais pas quoi, tu as payé zéro. Laisse-moi te dire, sans chiffre, Jésus va te guérir. Jésus va te délivrer. Jésus va te bénir. Et Jésus va te sauver. C'est pourquoi si tu m'entends, écris tous tes problèmes et envoie-les au plus 225 08. Envoie-les maintenant au 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Écoutez-moi bien. Je termine mon message. Cette femme a tourné partout, dans toutes les religions, dans la politique. Elle est partie partout. Les sciences occultes, elle a obtenu gain de cause. Comme toi, tu tournes, tu n'as rien, tu fais tout. Tu as fait sacrifice de poulet, cola, tu as fait tout. Même tu as fait sacrifice de mouton, bœuf, il n'y a rien. Laisse-moi te dire, il y a un seul qui peut arrêter ta souffrance. Un seul qui peut arrêter tes problèmes. Un seul qui peut te délivrer de la mort. Un seul qui peut te guérir de toutes les maladies qui existent sur la terre. Un seul qui peut te donner bébé. Un seul qui peut te donner jumeaux. Un seul qui peut te donner des triplés. Il y a un pasteur, il a fait 8 ans. Sa femme n'avait pas d'enfant, mais je viens de voir sur les réseaux sociaux. Sa femme a fait 3 garçons. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas te donner? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas réaliser? Tout le monde ce dimanche, Coco dit engrais juste aussi. À partir de 15h, descendez à la pharmacie Analia. Et les hôtesses vont vous y conduire. C'est un programme spécial. Mais je vous rappelle que nous sommes là-bas tous les dimanches de 15h à 18h. Je crois que ce mois-là même, c'est un mois de prière spéciale pour les célibataires, stériles, chômeurs, malades, etc. etc. Écoutez-moi bien. Cette femme dit, j'ai essayé partout. Mon argent est fini. On m'a pris au bord de l'eau, on m'a lavé. On a pris les feuilles, on m'a purigé. On a pris l'âme, on a fait des incisions sur ma peau. On a mis poudre de médicaments. J'ai dormi au cimetière. J'ai fait la danse des générations. Je n'ai rien obtenu. Mais il y a quelqu'un qui passe. Cette personne ne passe pas tous les jours. Mais cette personne est exceptionnelle. Cette personne est spéciale. J'ai appris que cette personne s'appelle Jésus. Il est le Messie, le roi des Juifs. Si j'arrive à toucher seulement le bord de son vêtement, moi je sais que je serai guéri. Cette femme n'a pas parlé. On n'a pas entendu sa voix. Elle a parlé seulement dans son cœur. Elle a foncé dans la foule. Ah, Jésus était entouré de ses 12 apôtres. Autour de Jésus, il y avait des pêcheurs. Ah, pour pêcher poisson, faut avoir la force pour lancer le filet dans l'eau. Faut avoir la baraka pour retirer le filet. Ils avaient des muscles. C'était des baraclés. C'était des géants. Cette femme qui était faible parce que son sang coule. Plus ton sang coule, tu es anémié. Et plus tu es anémié, tu as vertige. Mais sans force, sans force, elle est passée à côté de Pierre. Elle a pris Pierre, elle a mis à côté. Elle a attrapé Jacques. Elle a attrapé Jean, elle a forcé, elle a passé, même en bas de leurs pieds, elle a passé. Pasteur s'est dit, c'est pas eux qui m'intéressent, c'est pas le pasteur Bis qui m'intéresse, mais c'est celui que le pasteur Bis est en train de prêcher, celui que l'apôtre des nations, il faut que je le touche. Et la Bible dit qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. On n'a pas dit la peau de Jésus, on n'a pas dit son corps, son boubou seulement. Quand elle a touché, sa perte de sang s'est arrêtée. Celui qui dit amen, amen, sa maladie s'arrête. Celui amen. Qui dit amen, amen, sa galère s'arrête. Celui qui dit amen, sa pauvreté amen. S'arrête. Celui qui dit amen, sa stérilité amen. S'arrête. Celui qui dit amen, son célibat s'arrête. Amen. Celui qui dit amen, son chômage. Ah, dit amen fort. Ah. Demain, Coco dit engrais. Le Dieu de l'aussitôt. La Bible dit qu'elle a touché aussitôt. Le Dieu de l'aussitôt. Demain, c'est un miracle aussitôt. Un déblocage aussitôt. Une grâce aussitôt. Coco dit engrais aussi. Pharmacie Analia. À 15h, les hôtels seront là-bas pour vous y conduire. Si quelqu'un a beaucoup de sagesse, avant d'arriver au feu de la pharmacie Analia, il y a plein d'immeubles en bordure de route. Avant d'arriver au feu, il y a un immeuble, ils ont écrit quincaillerie Doumbia. L'église se retrouve juste derrière l'immeuble. Vous rentrez dans la ruelle de l'immeuble Doumbia, quincaillerie Doumbia, et puis vous tournez à droite. Vous allez voir l'église. La main du Seigneur est sur ce message. Jésus dit, qui m'a touché?
tout le monde était en train de nier, l'avoir touché. Et Simon Pierre dit, toi-même tu sais que Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La foule te presse de partout. Même moi-même je te touche. Et tu demandes encore qui m'a touché. Il dit oui, quelqu'un m'a touché parce qu'une onction est sortie de moi. Et la femme toute tremblante, se voyant dévoilée, est venue dire, je me suis dit dans mon cœur que si je te touche, je serai guéri. Et la Bible dit, Jésus dit, va ma fille, ta foi t'a guéri. Ce qui me plaît, c'est que tout le monde touche à Jésus. Mais tout le monde le touche sans le toucher véritablement. Je te demande pardon. Demain, viens avec ta foi. Faut pas venir à ton corps. Faut venir avec ta foi. Tu peux être là et puis si tu crois pas, tu vas repartir comme tu es venu. La femme avait la foi. Simon Pierre toucha Jésus. Tous les aveux cherchaient à le toucher. Mais il dit, quelqu'un m'a touché. Alors que tout le monde le touche. Si tu as la foi, tu repartiras avec ton miracle. Si tu as la foi, tu repartiras avec ta bénédiction. Si tu as la foi, tu repartiras avec ton déménagement, ton voyage sur Bengue, sur États-Unis, hors de l'Afrique ou hors de ton pays. Si tu as la foi, le bébé là se pose dans ton ventre. Si tu as la foi, on t'appelle la semaine prochaine pour travailler. Si tu as la foi, on va te donner une promotion au travail. Si tu as la foi, le sida va sortir de toi. L'AVC va disparaître. Le cancer va disparaître. Les fibromes, les kystes, les myomes, les maladies bizarres, règles douloureuses, ça va te fuir. Si tu as la foi, ton sang sera purifié. Les plaies qui sont sur les pieds qui ne guérissent pas, ça va sécher. Si tu as la foi, tu sauras que Jésus est Seigneur et Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Je vais m'arrêter là. Mais je vais vous dire, Jésus dit de vous dire, il est le seul Dieu qui peut vous libérer. Il est le seul Seigneur qui peut vous faire du bien. C'est pourquoi il m'a dit, annonce-le ce dimanche. J'ai dit bien ce dimanche. On est là-bas tous les dimanches. Mais il dit, annonce-le. Faut pas avoir peur, mon serviteur. C'est pas toi. C'est moi qui vais faire. Annonce à tous ceux qui ont la foi. Parce que les gens à l'église, ils acclament. Mais il n'y a pas beaucoup qui acclament. Parce que tout le monde le touche. Il dit, qui m'a touché? Donc, dans tous ceux qui acclament, il y a deux ou trois qui acclament. Parce qu'ils acclament pas leur main, mais ils acclament leur foi. Il y a des gens qui vous ont dit, venez donner à Dieu, ils coupent pour mettre offrande. Dieu dit, dans toute la foule, il y a deux qui m'ont donné. Parce que les autres ont donné sans la foi. Et il y a d'autres qui ont donné la foi. C'est pas l'argent. Entrée gratuite. Il n'y a pas l'argent dedans même. Entrée gratuite. Si tu veux, tu fais ton offrande, tu payes ta dîme. Mais entrée libre demain. Entrée libre. Même quand on va prophétiser sur toi là, il y a pas, il faut donner 50 000 d'abord. Non, non, non. Il n'y a pas ça. Ça, c'est des pasteurs charlatans. C'est des pasteurs voleurs, boutiquiers, dialogues. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et il dit, quand vous partez dans une ville, si on vous donne à manger, mangez! Ça dit, ce que la personne veut te donner, tu prends. C'est 50 francs, c'est 5 francs, c'est 1 million, c'est 1 milliard. Ce que la personne a résolu en son cœur de te donner, toi le pasteur prends. Parce que personne ne peut recevoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Tout le monde demain à Cocody Ingré. Je dis bien, ce dimanche à Cocody Ingré, geste aussi. Vous descendez à la pharmacie Analia et les hôtesses seront là pour vous y conduire. Cocody Ingré, geste aussi, pharmacie Analia. À 15h, les hôtesses seront là. Si vous ne voyez pas d'hôtesse, appelez-moi aux deux numéros que je vous donne. Au plus 225-01-65-07. Quand tu vas venir, aussitôt, ta stérilité s'arrête, aussitôt ton célibat s'arrête, aussitôt ta maladie s'arrête, aussitôt ton chômage s'arrête, ta galère, ton problème là, ça va s'arrêter demain. Mais tu vas voir, à partir de ce moment où tu m'écoutes là, combat va commencer. Est-ce que je dois aller demain? La pluie tombe, le diable va commencer à faire des choses. Non, je dois laver mon linge, je dois jouer ballon. Tout ça là, c'est les distractions. Quelqu'un vient de mourir au village, je dois aller. C'est parce que tu souffres pas. Si tu souffres comme cette femme, tu vas prendre Pierre, tu vas le jeter. Jacques, jeter. Elle n'a pas la force, mais elle a écarté des pêcheurs, des gens qui ont les muscles pour tirer filet de l'eau. Si c'est rempli de poissons, il faut avoir la baraka pour ramener. Ils étaient musclés. Elle qui était frêle là, elle les a écartés, elle a touché Jésus. Si mon bébé dit, nous tous on te presse. Comment elle a fait pour arriver? C'est ta foi qui a te guéri, qui a te béni, qui a te sauvé. C'est ta foi qui a te délivré. Voilà ma dernière phrase. Demain, ne manque pas. Je t'invite, toi et ta famille, Cocody Ingré Gestosi, pharmacie Analia. Tu descends à 15h
Les hôtesses seront là-bas pour te conduire à la prière. C'est de 15h à 18h. Entrée gratuite, entrée libre. On ne paye rien pour venir recevoir la grâce de Dieu. Maintenant, pour ceux qui sont sages, avant d'arriver à la pharmacie Analia de Angre Gestosi, en bordure de route, il y a plein d'immeubles. Vous regardez l'immeuble. Le premier immeuble, ils ont mis immeuble Quincaillerie Dumbia. L'église est dans le quartier, derrière l'immeuble. Vous rentrez, vous tournez à votre droite. Vous allez me voir. Appelez-moi au plus 225. 0801 6507 0801 6507 ou 05 64 78 32 05 64 78 32. Après le message, le téléphone sera ouvert. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Vous savez pourquoi j'étais dans les rires? Parce que cette émission là, vous avez mieux situé l'église. Certains même vont partir sans même, sans même appeler. Ça vous a j'étais en train de vivre. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le téléphone est ouvert. Appelez en direct. Je vais prier pour vous. Mais n'oubliez pas le rendez-vous de ce dimanche. Gloire à Jésus. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Oui, allô? Oui, allô? Oui, soyez bénie, ma fille. Ton nom et ta commune. Allô? Oui, allô? Oui, ton nom et ta commune. Sois bénie. Ok, quelle est ta préoccupation? Ok. Mets ta main sur ton ventre. Et puis n'oublie pas le programme de demain. Viens y être touché. Tu vas recevoir la grâce. À Coco Diangré. Mets ta main sur ton ventre. J'ordonne au mal de sortir. Et il est sorti. Au nom tout puissant de Jésus. Sois guéri. Dis amen fort. Amen. La main de Dieu est sur toi. Demain à Coco Diangré, geste aussi. Devant la pharmacie Analia à 15h. Si tu viens, tu ne vas pas regretter. Sois béni. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénie, ma fille. Votre nom et votre commune? Moi, c'est la sœur Edwige. Edwige, de quelle commune? De Benjerville. De Benjerville. Quelle est ta préoccupation? Papa, oh, faut descendre demain. Ça dit toi-même là. Quand on dit les 15h là, tu es déjà devant la pharmacie. Non, tu es assise là. Et puis on va te prendre pour t'amener. Viens y toucher ton ventre. Et tu auras 3 enfants. L'Esprit de Dieu me dit 3 enfants qui vont venir après que j'ai touché ton ventre. Faut venir demain à Angre Geste aussi, pharmacie Analia. C'est entrée gratuite. Il n'y a pas 5 francs à payer. Il a touché ton ventre seulement au nom tout puissant de Jésus. Et tu auras au moins 3 enfants. Qui vont suivre. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et ton mari. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, dis amen. Amen. Dieu te bénit. Demain, il ne faut pas manquer le rendez-vous. Sois béni. 08 01 65 07 08 01 65 07. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir appeler aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, allô? Oui, alors, soyez bénis, très cher. Votre nom et votre commune. Vous vous appelez comment? Olivier. Olivier? Olivier. De quelle commune? De ma commune. Ok, quelle est votre préoccupation? Papa, j'aimerais qu'on prie pour moi. Oui. On m'a rappelé dans mon travail, mais vraiment, il y a des gens qui s'imposent encore. Ok, tu es de ma commune. Viens demain. À Cocody, fais tout, tu vas venir et te toucher. Ça va se renverser plutôt contre eux. Et puis tu seras établi. Viens demain à Cocody Angré. Que la main de Dieu soit sur toi. Sois béni. Dis amen fort. Amen. 08-01. Oui, allô? Allô? Oui, allô, soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune? Mon nom, c'est Gervais. Gervais, de quelle commune? De Ok, quelle est votre préoccupation?
Tu n'arrives pas à te marier. Il faut commencer en même temps à commencer à te déplacer pour Cocody. Parce que dès que tu vas arriver là, moi-même, je me suis marié, ça fait 17 ans de mariage. Par la grâce de Dieu, ça fait, viens et à te communiquer à Cocody quelque chose. Le Dieu de l'aussitôt va arrêter ta souffrance. Au nom de Jésus, dis amen bien. Que Dieu te bénisse. Viens demain à Cocody, tu ne vas pas regretter. Oui. 08 à 01 65 à 07. Je sais que vous serez nombreux à vouloir appeler parce que le message est vivant. Oui, allô? Allô? Oui, sois bénie, ma fille. Ton nom et ta commune? Esther. Esther, de quelle commune? Mbadon. Ok, Mbadon, quelle est ta préoccupation? Ça fait 3 mois, ça ne vient pas. Une seule imposition des mains qui est te faire demain, ça va venir. Bon, ça là même, ça c'est un petit truc même. Il y a des femmes même, il y a touché même et dit, en même temps, il y a touché la nuit, c'est venu. Faut venir à Cocody Engrais Gesto aussi. Descends à la pharmacie, il y a t'imposé les mains et puis il te dit ce qui va t'arriver après. Que Dieu te protège, ma fille. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dis amen bien. Demain, faut pas manquer le rendez-vous. Viens, tu vas pas regretter. Sois béni. 08 à 01 65 à 07 08 à 01 65 à 07 ou 05 64 78 à 32 05 64. Oui, allô? Oui, sois béni, ma fille. Bonsoir, bonsoir, ma fille. Ton nom est ta commune. Ah, c'est toi, ma fille. Oui. Sois béni, mon enfant. Quelle est ta préoccupation? Ok, il faut venir demain et toucher ton ventre. Et puis, ça ne va plus jamais te faire mal. Au nom tout-puissant de Jésus, dis amen encore. Amen. La grâce de Dieu avec toi, ton mari et puis tes enfants. Soyez bénis. À demain, par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. 08 à 01 65 à 07 à 08. Le bus va s'arrêter aujourd'hui là. Au nom tout-puissant de Jésus. Le bus de ta galère, ça va s'arrêter. 08. Oui, allô? Oui, soyez bénis, très cher. Votre nom et votre commune. Tu as Belleville. Belleville, ça où ça? Trècheville, Belleville. Et quel est ton nom? Ok, quelle est ta préoccupation? Oui? De prier pour que ton travail marche. Tu fais quoi? Tu fais pain sucré. Faut prendre un pain. Un pain. Tu prends un seul pain. Tu mets dans un sachet plastique noir. Et puis tu viens me trouver le pain que toi-même tu vends là, à Cocody Engrais. Il a touché le pain. Il a été béni. Et puis ton commerce va marcher. Au nom de Jésus. Faut pas rater la prière de demain. Sois béni. 08 à 01 65 à 07. Tous ceux qui font commerce, prenez un peu de ce que vous vendez et puis venez. Jésus va faire, il va multiplier ce que vous allez apporter. Oui, allô? Allô? Oui, allô, soyez béni. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune? De Kumasi. Quelle est votre préoccupation? La façon que tu as commencé par « Eh, pasteur !» Quand tu as dit « Eh, là !» Ça montre que demain, à 15h, tu arrives devant pharmacie en allant là. C'est toi-même qui as assis le premier devant. Et puis, tu attends qu'on vienne te chercher. Tu veux rester célibataire quand t'as mort? Donc demain à 15h, Cocody Engrais Gesto aussi, pharmacie en allant. Les hôtels sont là-bas pour te conduire à la prière. Le combien? On me dit, bon, si tu descends, le bus, est-ce que le bus va là-bas? Bon, je ne connais pas. On dit, il y a un bus qui va. Bon, faut te renseigner, mais faut tout faire. Tu dis, Engrais Gesto aussi. Tu dis, je descends à la pharmacie en arrière. Sois béni. Viens. La fin de ton célibat est arrivée. 08 01 65 à 07. Il faut qu'on se renseigne aussi. Hein, en bus. 08 01 65 à 07. Oui, allô? Oui, sois béni, ma fille. Ton nom est ta commune. Oui, allô? Sois béni, ma fille. Ton nom est ta commune. Sylvie, de quelle commune? Sylvie de Trècheville. Quelle est ta préoccupation? Papa, je vais me marier pour quitter la maison de ma soeur.
Ah, tu ne pourras pas. Tant qu'on ne brise pas ça, la corde sur ton pied, demain, à la pharmacie, il y a des engrais là. Quand on dit peu, c'est toi-même qui es la première demande. Viens et te toucher. Moi, un, je suis marié. Deux, j'ai quitté la maison familiale. J'habite chez moi-même. Viens et te libérer et puis te donner des paroles qui vont faire que tu ne vas plus jamais retourner en arrière. Que Dieu te bénisse. Demain, quand on dit engrais, tu dis pharmacie. Pharmacie Analia, tu descends là-bas à 15h, je t'attends. Sois béni. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Voilà, sois béni. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou 05-64-78-32. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, ma fille. Ton nom est ta commune. Oui, papa, c'est pas dur. Je suis étudiant et demain, j'ai passé les examens. C'est garçon, mais c'est femme. C'est garçon. Quadio quoi? Quadio Félix, tu es de quelle commune? Cocody. Voilà, je te continue quoi? Demain, tu as dit demain, dimanche là. Ah. Tu commences à quelle heure, tu finis à quelle heure? Demain, je commence à 8h, je finis à 13h. Dès que tu finis à 13h, trouve-moi à Engrais Gestossi, pharmacie Analia. Viens, il y a te toucher. Et puis tu vas réussir. Et puis tu as passeport même. Non. Tu n'as pas passeport. Demain, il te dit pourquoi il t'a demandé ça. Que Dieu te bénisse. Voilà. 08-01-65-07. 08-01. 65-07 ou 05-64-78-32 05-64. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Soyez bénis. Votre nom et votre commune. Moi, vous appelez de quelle commune? Vous êtes à Yopougon. Quelle est votre préoccupation? Bon, Soumaïl va m'aider parce que je n'ai rien compris. Faut reprendre. J'ai pratiqué. Nous-mêmes, lui-même qui a duré à la radio ici, là, il a 17 ans. Il dit qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Faut dire un coup, faut pas être long. Ta femme a quoi? Ta femme a quoi? Elle a quel problème? Un enfant pas, c'est ce que tu dois dire. Il faut dire qu'il y a problème d'enfantement. Je ne sais pas combien, écoute-moi bien, je ne sais pas combien de femmes les prières ont accouché. On ne peut pas compter. Il y a quand même qui est devenu bébé. La fille est venue ici. Il a prié pour elle. Qui était dans son ventre, ça s'est transformé en bébé. Trouve-moi à Cocody Engrais Gestossi. Tu descends à la pharmacie Analia. Si elle est à côté de toi, viens avec elle. Il a touché vous de votre ventre. Et le Dieu de l'aussitôt, Jésus va vous donner enfant l'an prochain. Au nom de Jésus. Venez, vous n'allez pas regretter. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou 05-64-78-32. 05-64-78-32. Oui, allô? Allô? Oui, sois béni, ma fille. Ton nom est ta commune. Bonsoir ma fille, ton nom est ta commune. Elle est partie. Rendez-vous demain, Cocody Engrais. Sois béni. Jésus Sauveur, écris ton sujet de prière. Je vais lire et puis je vais prier pour toi. Il y a quelqu'un qui dit sur les réseaux sociaux, je suis là. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir mon fils, ton nom est ta commune. Ok, quelle est ta préoccupation? Tu peux pas, tu peux pas. Faut venir à Cocody. Un homme qui est consacré à Dieu va te toucher. Et Jésus, le Dieu de l'aussitôt, va arrêter ta souffrance. Sinon, pour que tu as construit là, tu as vivre quand à ta mort, puis tu n'as pas construit. Ça ne vient pas de Dieu. Viens demain, on va enlever la malédiction sur toi. Et puis tu vas repartir. Que Dieu te bénisse et te protège. Cocody Engrais Gestossi, tu descends à la pharmacie Analia. Les hôtels seront là-bas à 15h. Sois béni. 08-01-65-07 08-01
65-07 ou au 05-64-78-32. Oui, allô? Allô? Oui, allô, soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune? Non, moi, je voudrais savoir que pour ce temps du monde, aide-moi un peu. Est-ce que quoi? Je reçois tout le monde, c'est parce que tu ne me connais pas. D'abord, on vient gratuit, on ne paye pas pour rentrer. Et puis quand ça finit, je reçois tous ceux qui sont venus, je les reçois un à un. C'est ce que je fais chaque dimanche. Il faut venir et te recevoir, sois béni. Oui, allô? Allô? Oui, allô, sois béni ma fille, ton nom est ta commune. Ok, ton nom. Maman, il m'appelle. On n'attend pas ton nom, faut dire rapidement ton nom. Christelle. Oh, Christelle. Christelle, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Maman, je veux qu'on fasse rien pour moi. Rien de mal. Ok, demain, je te donne rendez-vous aussi à Cocody, Engrais Geste aussi. Tu descends à la pharmacie Analia, les hôtesses vont t'amener. Viens t'imposer les mains et tout va commencer à marcher dans ta vie et puis autour de toi, au nom de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Dieu te bénisse. Faut tout va, tu vas venir, ta vie va changer. Jésus est vivant. Ouais, Jésus est vivant. Ta vie va changer. 08-01-65-07-08-01-65-07 ou 05-64-78-32 05-64-78-32. Oui, allô? Allô? Oui, allô, sois béni ma fille, ton nom est ta commune. Prisca de Trècheville, quelle est ta préoccupation? Ça, oh, Prisca, je te vois d'un coin, je te vois d'un coin, on t'a fermé. Ça veut dire quand tu parles même dans ta voix, on sent que tu as beaucoup d'étoiles, beaucoup de grâce, mais tu ne peux pas voir. Demain, trouve-moi à Cocody Engrais Geste aussi. Tu descends à la pharmacie en aller à 15h. Les hôtels vont te conduire à moi. Après la prière de demain, tu sauras que Jésus arrête les maladies en un coup, les problèmes en un coup, les célibats en un coup. Sois béni. 08-01-65-07 ou 05-64-78-32. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Amen. Oui, votre nom et votre commune. Moi, c'est Joël. Joël. Joël de quelle commune? Joël de Belleville. Ok, quelle est ta préoccupation? La préoccupation, je suis avec mon ami, depuis on est dans la rue, ça fait 10 ans, ça va pas. C'est pas normal. Oh, 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 10 ans, toi et ton ami, vous êtes dehors. Depuis dans la rue, ça va pas. Bon, demain, toi et puis ton ami, il est à côté de toi. Venez demain et versez l'huile du Seigneur sur votre tête. Après ça, vous allez rentrer non seulement dans la maison, mais vous allez rentrer dans votre bénédiction. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Demain, oh, j'ai entendu la voix de ton ami, ça me fait du bien. Demain, Cocody Engrais Geste aussi, descendez à la pharmacie en aller à 15h. Les hôtesses vont vous conduire à moi. Après ma prière, vous rentrez et puis j'entends dans ma tête, leur carrière va commencer maintenant. Leur carrière va vraiment commencer. Dieu va vous bénir. Demain, venez, soyez présents ce dimanche. 08-01-65-07 ou 05-64-78-32 05-64-78-32. Oui, allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Oui. Vous appelez de Poibouy. Quelle est votre préoccupation? Ah, tu es dans l'attente d'un résultat. Tu as déjà fini le concours. Ok, il faut venir me trouver, je vais te toucher. Tu sais qu'il y a des gens intelligents. Normalement, ils doivent avoir. Mais la main de la sorcellerie peut changer le résultat. Oui, les sorciers sont capables de changer le succès
en quoi même? En échec. Faut venir me trouver à Coco Diangré. Il y a t'imposer les mains. Je proclame que tu réussisses. Au nom de Jésus, dis amen fort. La main de Dieu est sur toi. Coco Diangré, geste aussi. Tu dis, tu descends à la pharmacie à Nalia. À 15h, les hôtesses vont te conduire à moi. C'est entrée gratuite, libre. Sois béni. 08. Jésus Sauveur dit sur les réseaux sociaux, tout mon corps me fait mal. Jésus Sauveur, reçois la grâce de Dieu. Elle-même est pasteur. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et si tu peux, cherche à me trouver en gré, geste aussi demain. Sois béni. Oui, allô? Allô? Oui, oui, mon fils, ton nom est ta commune. Je ne comprends pas. Vous êtes où? Kokodi Abata, maintenant votre nom. Jean-Marie Kokodi Abata, quelle est ta préoccupation? Aïe, aïe, aïe. Donc si je comprends bien, tu travailles. Mais le seul problème, ça ne va pas bien. Demain, trouve-moi à la pharmacie Analia de la geste aussi, engrais. Et puis après la prière, tu vas me dire si ça va encore ou bien si ça ne va pas. Mon Jésus est vivant. Sois béni. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78. Oui, allô? Oui, allô, papa, bonsoir. Oui, bonsoir, mon fils, ton nom et ta commune. Mon nom c'est Kofi Konan Yao. Kofi Konan Yao, de quelle commune? Kubasi Shopping, quelle est ta préoccupation? Demain je présente le concours de. À quelle heure? À quelle heure? À 7h30. Ça finit à quelle heure? Bon, je dès que ça finit, viens dans la présence de Dieu. Viens me trouver à Cocody Angré Geste aussi. Il y a qu'imposer les mains. Je te répète, tu peux être intelligent. Tu peux être admis, mais la sorcellerie peut déformer le résultat. Dès que ça finit, les hôtels seront à Angré Geste aussi, pharmacie en aller. Les hôtels seront là-bas à partir de 15h. Ils vont te conduire à moi. Faut venir. La main de Dieu est sur toi. Sois béni. 08 à 0. Il y a quelqu'un qui dit ici, bonjour, je suis ailleurs pour prier prophète pour mon fils, pour sa délivrance. Que la main du Seigneur soit sur vous. Venez me trouver à la prière. Oui, allô? Oui, sois bénie ma fille, ton nom est ta commune. Je m'appelle Tu t'appelles comment? Léontine. Léontine de Yopougon, quelle est ta préoccupation? Ah, tu veux suivre le Seigneur. C'est un homme qui est consacré à Dieu. Hein? Ça fait 26 ans, depuis 1995. Il marche avec Dieu. Viens, il t'imposer les mains à Cocody. Tu as aimé le Seigneur, tu as chanté, tu as devenu folle pour lui. Tu as l'aimé comme tu l'as jamais aimé. Viens et te toucher demain à Cocody Angré. Sois béni. Dis amen là-bas puis viens. Félix Dominique cherche à me voir à Cocody Angré. Jésus est vivant. Oui, allô? Ah? Oui, allô? Sois béni ma fille, ton nom est ta commune. De quelle commune? Agban, ok, quelle est ta préoccupation? Depuis que tu as quoi? Ta vie est mélangée. Est-ce que tu peux te déplacer? Ou bien bébé, il est petit? Il est encore petit. Oh, si tu pouvais te déplacer en taxi, c'était bon. Parce que la main de la sorcellerie est derrière toi. Oh, tu dois réussir. Que la main du Seigneur soit sur toi et que Dieu te donne les moyens de venir me trouver le bébé demain à Cocody Angré. Que Dieu vous protège et que ta situation change au nom de Jésus. Dis amen fort. Que Dieu te bénisse. 08 à 01 65 à 07 à 08 à 01 65 à 07 ou au 05 64. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô. Oui, sois béni ma fille, ton nom est ta commune. Elle est partie. Trouve-moi à Cocody Angré. Descends devant la pharmacie Analia. Angré Geste aussi. Il y a quelque chose pour toi demain. Ce dimanche, sois béni. Oui, allô? Allô? Oui, allô, sois béni très cher. Ton nom est ta commune. Bonsoir,
Bonsoir, mon fils. C'est qui? Karim, de quelle commune? Yopougon. Quelle est ta préoccupation? Tu vends quoi? Des habits. Prends un habit, un seul habit, un échantillon. Viens me trouver avec l'échantillon. La Bible dit, Jésus a de, un prophète a demandé à une femme, qu'as-tu à la maison? Elle dit, un peu de parfum. Il dit, prends le parfum, le petit parfum qu'elle a pris là. La Bible dit, ça remplit des bassines. Et puis il dit, prends pour vendre et puis tu as vu. Prends un échantillon de chemise. Et puis viens à Cocody en Grèce. On va voir si la sorcellerie est plus forte que Jésus. Ta situation change à partir de demain. Au nom de Jésus, dis amen. Amen. Dieu te bénit. Viens, Cocody en Grèce, j'ai aussi pharmacie Analia. Tu descends là-bas à 15h. Sois béni. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32. 11 minutes et puis l'émission va finir. Oui, allô? Allô? Sois béni, mon frère. Ton nom et ta commune? De quelle commune? Yopougon. Quelle est ta préoccupation? Hey. Maintenant, le résultat n'est pas encore sorti. Non. Ok, il y a quelqu'un qui a passé le concours de CAFOR. Soumaïla Kwaku l'a entendu. Il a passé le concours de CAFOR 8 fois. Il a échoué. Il dit, il te coûte depuis 6 mois. Mais le premier jour, il a appelé là. Il a dit, viens me trouver où je suis. Il a prié pour lui. Et on a tous entendu son témoignage. Il a eu le concours de CAFOP. Ils l'ont amené à Boaké. C'est là-bas qu'ils l'ont orienté. Et comme il connaît l'heure de l'émission, il a appelé en direct ici pour dire l'homme de Dieu est un vrai homme de Dieu et son Jésus est vivant. Trouve-moi à Cocody, en Grèce, ce dimanche-là, à partir de 15h. Tu dis, je descends. En Grèce, j'ai aussi. Tu dis, je descends à la pharmacie Analia. Les hôtels seront là-bas pour te conduire à moi. Sois béni. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32. Oui, allô? Oui, soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Et puis ton nom? Yao Franck, quelle est ta préoccupation? Je ne sens pas bien tes pieds. Aïe, tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives pas à manger. À manger, mais tu peux te déplacer. Hein? Ok, je vais prier pour toi. Et puis demain, si ça va, trouve-moi à la prière de Cocody Angré Geste aussi. Tu descends à la pharmacie Analia à partir de 15h. Les autres vont te conduire. Mets ta main sur ta tête. Je proclame ta guérison. J'enlève la mort. J'enlève la maladie. Sors de lui et ne rentre plus jamais en lui. Au nom de Jésus, tu es guéri. Dis amen bien. Amen. Viens me trouver demain. Les gens sont derrière toi. Ton papa est vivant, mais il est mort. Il est vivant. Les gens sont derrière toi. Il n'y a pas dit ton papa est sorcier. Les gens sont derrière toi. Les esprits veulent enlever ton âme. Il y a un combat dans ta vie. La grâce de Dieu est sur toi. Que Dieu te protège. Viens demain me rencontrer. Il va te donner une directive. Sois béni. 08 01 65. Il nous reste 9 minutes pour terminer l'émission. 9 minutes pour terminer l'émission. 9 minutes pour terminer l'émission. Lève-toi et appelle. Oui, allô? Oui. Oui. Si la sorcellerie est derrière toi, tu veux voir quoi? Si la sorcellerie t'a bloqué, tu veux voir quoi? C'est pourquoi il dit demain, il faut te tuer pour venir me trouver à Angré. Et puis on va voir maintenant si depuis là, tu n'évolues pas. Trouve-moi Angré Geste aussi. Descends à la pharmacie en aller à 15h. On va voir après la prière là, si ta situation va rester la même. Jésus est Seigneur. 08. Il nous reste 8 minutes pour terminer l'émission. 8 minutes pour terminer l'émission. 8 minutes pour terminer l'émission. Appelez au 08 01 65 07. 08 01 65 07. Oui, allô? 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 Oui, soyez bénis, très cher. Votre nom et votre commune. Allô, bonjour, moi.
Tu as béni ma fille, ton nom est ta commune. Pélagie de Kumasi, quelle est ta préoccupation? Papa, il y a plein d'enfants. Hé, ça arrive toi là même, à 14h45 même, tu es déjà là-bas. Ça arrive que à 14h45, tu es déjà assise devant la pharmacie Analia. Parce que l'an prochain, à la même époque, tu tiendras bébé dans ta main. Au nom du Dieu de l'Ocito, Jésus-Christ de Nazareth. Faut tout faire, tu vas venir. Faut pas te laisser blaguer. Même si la pluie tombe, même si la neige tombe, faut venir. Que Dieu te bénisse. Concordia engrais, engrais geste aussi. Thierry et descend à la pharmacie Analia. À partir de 15h, les hôtels seront là-bas. Sois béni. 08 01 65 07 08 01 65 07. Il reste 7 minutes pour terminer l'émission. 7 minutes pour terminer l'émission. Appelle, lève-toi et appelle. Et Jésus va faire ton miracle. Oui, allô? Oui, sois béni, mon fils. Ton nom est ta commune. Mon nom c'est Nakim Abokile. De quelle commune? Makori. Makori, quelle est ta préoccupation? Mon papa, il y a un petit souci. Oui. Bon, il y a un problème d'emploi. Problème d'emploi. Voilà. C'est ta dernière année d'être chômeur. Trouve-moi à Angré. Dès que j'ai pris pour toi, avant la fin du mois, tu trouves travail. Tu fais fort à ton effort. Prends crédit à tes camarades. Tu descends à Gestosi. Engrais Gestosi. Tu dis pharmacie Analia. Faut prendre crédit. Dieu va te faire repartir. Après ça, tu trouves du travail. Le Dieu de l'Ocito dit demain, il va vous montrer qu'il est Dieu, qu'il est vivant. Sois béni. 08 01 65. Il reste 6 minutes pour terminer l'émission. 6 minutes pour terminer l'émission. 6 minutes pour terminer l'émission. 08 01 65 07. Oui, allô? Oui, bonsoir mon fils. Ton nom est ta commune? Monsieur Kwadjo, quelle est la commune? Coco. Ok, Cocody Faya, quelle est votre préoccupation? Ça ne peut pas bouger. Est-ce que vous avez voiture? Rien. Vous avez voiture? Rien. Je n'entends pas. Il dit rien. Il dit rien. Tu sais, quand tu entends de. Tu dis oui, mais rien. Rien. Non, il n'y a pas de voiture. Ok, quand tu entends de causer à moi, une voiture me regarde. C'est-à-dire que si tout allait bien, même tu avais déjà ta voiture. Parce que je parlais à toi, une voiture est apparue devant moi. C'est-à-dire que tu es un monsieur même qui ne doit même pas même lutter pour se déplacer. Faut descendre à la pharmacie Analia, Concordia engrais geste aussi. À 15h, les hôtels vont te conduire à moi. Après ça, tu vas savoir si Jésus est resté dans le tombeau ou bien n'est pas resté dans le tombeau. Sois béni. Amen. 08 01 65 07 08 01. Il reste 4 minutes pour terminer l'émission. 4 minutes pour terminer l'émission. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est un pasteur, c'est un homme, c'est pas une femme. Sois béni, sois béni. Ton nom est ta commune? Oui, c'est Nora Daniel. Daniel, de quelle commune? Je suis à Yipouro. Ok, quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation, c'est que. Tu as mélangé. En même temps, je connais ça. Même quand je prêche, je dis, dès que l'argent arrive, problème arrive. Faut venir me trouver à Engrais Geste aussi. Tu descends à la pharmacie Analia. À 15h, la prière fait seulement 3h. C'est de 15h à 18h. Viens me trouver, puis tes problèmes sont finis. Au nom du Dieu de l'Ocito, que je sais, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen. On va le bénir. Encore le dernier appelant, il nous reste 3 minutes pour terminer l'émission. Le dernier appelant, faut dire que je suis sur les antennes tous les mercredis de minuit à 1h30 et les samedis de 22h30 à minuit. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? Quado Jean-Maxime. De quelle commune? Adjaoui, ok. Quelle est ta préoccupation? Un problème d'emploi.
Ok, est-ce que ça te plaît de rester là comme ça? Est-ce que tu as une bouche à nourrir? Femme, bébé? Tu n'as personne. Faut tout faire. Mais il n'y a pas bébé. Un homme qui ne travaille pas, il est en danger. Faut tout faire. Tu vas me trouver ce dimanche-là. À Cocody, Angré, Gestocytérie et descend à la pharmacie Analia. À partir de 15h, les hôtels vont te diriger à moi. Après ma prière, dès qu'il a fini de prier pour toi, ta situation change jusqu'à la fin de tes jours. Au nom de Jésus, cherche à venir demain. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. On peut acclamer Jésus pour cette émission de feu. Gloire à Jésus. Voilà, donc je fais un résumé. Le résumé est que Dieu m'a parlé. Il dit demain, ce dimanche, il dit faut prier spécialement pour les célibataires. Prie spécialement pour les stériles. Prie spécialement pour les malades et les chômeurs, etc., etc. Donc tous ceux qui ont problème pour se marier, problème pour enfanter, problème pour travailler, problème de maladie, c'est pas moi, c'est Jésus. La Bible dit la femme là a touché le bord de son vêtement aussitôt. Il dit demain il est le Dieu de l'aussitôt, aussitôt sa maladie s'est arrêtée et ton problème va s'arrêter. C'est Jésus qui m'a dit de venir dire ça. Moi je suis pas Dieu, mais il dit de dire. Venez avec votre foi. C'est entrée gratuite. On ne paye pas pour rentrer. Cocody, Angré, Gestocy, Pharmacie, Analia. Maintenant, ceux qui peuvent trouver eux-mêmes et l'intelligence, avant d'arriver au feu de la pharmacie Analia, il y a les humains en bordure de route. Juste avant d'arriver au feu de la pharmacie Analia, le premier immeuble, au commencement, avant d'arriver jusqu'au fond là-bas, le premier immeuble, le commencement de l'immeuble là, ils ont écrit quincaillerie Doumbia. L'église se retrouve derrière. Vous rentrez dans la ruelle de la quincaillerie et puis vous tournez à droite. Dès que vous arrivez derrière, vous tournez à droite. Vous allez voir l'église à droite, derrière la quincaillerie Doumbia. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas, vous descendez à la pharmacie Analia. Les hôtels seront là-bas à 15h. La prière, c'est là-bas tous les dimanches de 15h à 18h. À 15h, les hôtels seront là-bas pour vous conduire. Et moi, je vais vous conduire au Dieu de miracles. Rappelez-vous aussi que je prêche sur cette radio tous les mercredis de minuit à 1h30. Et puis tous les samedis de 22h30 à minuit. Moi, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Voilà, arrivez là-bas, appelez-moi au numéro 0801 65 07, 0801 65 07, ou au 05 64 78 32, 05 64 78 32. Même à la fin de l'émission, vous pouvez m'appeler encore. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils, au Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de Jésus, on dit amen, 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 amen. Gloire amen. À Jésus, amen. Non, c'est fort. Ça arrive, il est en train de prêcher, il a coupé, mais c'est qu'il a dit les fonds.